Salut tout le monde, salut, bon dimanche à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue, bah écoutez, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que votre week-end se passe bien, ici c'est pas si mal, c'est pas si mal, un bon gros coup de repos ce week-end, donc ça fait du bien. Ce qui est prévu aujourd'hui c'est qu'on se fasse un petit peu de rétro pour changer un peu de Zelda, là on a quand même pas mal fait de Zelda ces derniers temps. Et je vais continuer un peu en off pour les quelques. Enfin, on va continuer à en faire en live, mais j'en ferai un peu en live en off aussi pour récupérer. Salut Calandris, comment ça va? J'ai dit que j'allais continuer un peu en off, un peu du Zelda pour faire 2-3 trucs qui me manquent, et puis pour changer un peu et pour éviter que ça s'éternise non plus, parce que ça fait quand même quelques mois qu'on est sur Zelda. On va switcher un peu aujourd'hui, se faire un peu de réto. J'avais pensé à se faire du jeu d'arcade. Un peu random pour découvrir et pour filtrer un peu ce qu'il y a. Parce qu'il y a des pépites, mais il y a aussi des caca. Donc ça peut être sympa de se filtrer des trucs un peu au pif et voir ce que ça donne, voir si on comprend quelque chose. Parce qu'il va y avoir aussi. Bon, on fera pas les jeux cochons, même si j'en ai. Sinon, ça vaudrait dire, je pense que ça vaudra un strike pour la chaîne. Mais se faire voilà quelques trucs qui vaudraient vraiment le coup de rester sur les disques durs. Comment tu vas du coup? T'as pas streamé ce matin? T'as streamé ce matin tôt toi, parce que j'ai pas vu les notifs. Et bah, je suis pas debout depuis si longtemps que ça, donc... Une fois j'arrive à lancer à l'heure. Je suis plutôt fier de moi. T'as arrêté il y a 15 minutes, ok. Ok, bah j'ai... Je suis passé à côté, je suis... J'ai pas... Pourtant j'ai lancé le PC il y a une petite demi-heure et j'ai... Ah, j'ai peut-être pas lancé Twitch direct. En tous les cas, ça va faire, c'est qu'on va aller sur la scène de stream. On devrait... Hop, voilà. Tu n'es pas détecté toi, alors attends. On va t'ouvrir là. On va pas répondre à la manette. Ok. Alors attends. Elle est toujours un peu comme si celle-là. Celle-là ne veut pas s'allumer. Alors. Ok, c'est bon, il a détecté la manette. Alors, j'ai lancé les séries, les animés, du rétro après, ok. Ouais, l'enregistrement vertical c'est quand même pas mal gourmand, malheureusement. C'est quand même pas mal gourmand, donc c'est dommage, mais bon. Pour des PC plus puissants. J'avais pas vu ça qui faisait aussi une petite fenêtre pop-up sur le stream, c'est mal ça. Alors encore sur le truc, donc on a dit qu'on faisait du rétro et de... Alors j'ai chargé quelques ROM supplémentaires.
Je suis pas sûr d'avoir vraiment la ROM 7 la plus complète du monde, mais j'ai chargé quelques trucs supplémentaires sur MAME, et on va voir ce que ça donne, quoi. Et on va se lancer quelques jeux d'arcade, on va peut-être lancer ça pour commencer, voir ce que ça donne. Et voir si ça vaut le coup de rester sur la borne. Pour le coup. En tout cas, si je peux faire une remarque, c'est que le boulot que Recalbox a fait sur ses shaders rétro, avec l'effet CRT, c'est pas mal du tout quand même. Hein. Ça, c'est... Alors, ça, je connais, ça, c'est le genre de jeu que... J'aimais beaucoup jouer en borne. Même si j'étais pas bon du tout. Je trouve ça génial les jeux de course en vue isométrique. Voilà. Hop. T'es parfaitement contrôlé. Toujours utiliser les murs pour se guider. C'est Richard qui m'a appris ça. Hop. Et c'est comme une boule de flipper qui roule. Time out. Est-ce que tu avais pu tester les jeux 3D que je t'avais dit? Voir si chez toi ça fonctionnait. C'est... Bon, là on est sur du shoot très connu, on va peut-être aller se faire du jeu moins connu. Donc tous les 1900 quelque chose. Ne t'inquiète, pas de soucis. Et on voit que 1944 ont décidé, donc tout cela sont en tâté. Et 44, ils ont dit de se mettre en Yoko. Ce qui me va. Hein. C'était les Street Fighter EX. On va voir comment ils tournent en Yoko les jeux, peut-être. Donc là on va perdre une partie de l'écran, sauf pour ceux qui veulent mettre leur écran en tâté. Donc il y a possibilité d'incliner l'écran à 90 et de se mettre comme ça en full screen. Et là donc là sinon on perd alors pour les puristes, les mecs ils vont dire ah c'est dégueulasse. Avec l'écran que j'ai là-dessus qui fait 80 kg, je le tourne pas tous les jours. Là on reste quand même sur un jeu quand même. Plutôt ancien. Je l'accuse. On est sur le shoot, mais ça accuse des années. Hein. Par rapport à ce qu'on va avoir. Bon, on retrouve les bases, hein, t'as le power-up et tout. Et tu sens que voilà, c'est un des premiers. C'est vraiment le premier stage. Ah merde. Elle est pas évidente, hein.
Alors. T'as la surface. Foutez-moi la paix. Ah, on va réchauffer pas ça. Barre de vie, elle descend comme neige au soleil. C'est vraiment des pompes à fric quoi. Là c'est même pas, ils te laissent t'amuser sur le premier stage, là, directement ils te font cracher le pognon. Alors. Ok, il y a même pas de boss. Il y avait même pas de boss. Alors ensuite. Et donc voilà, ils sont passés en Yoko. En retour en Tate. Et on voit vraiment que c'est déjà mieux animé. Et 1900XX. Un jeu de hockey. Attends, on va tester. Tour en tour d'ice. 2 à 2 sur la glace. Ok, ça sent la clème ça. C'est les mêmes. Ça sent le NBA Jam. Il y a les Mighty Ducks, c'est les Indians, c'est des équipes qui n'existent même plus. À prendre les Mighty Ducks. C'est clairement un NBA Jam sur la glace, quoi. C'est plutôt cool. Je ne sais pas ce que je fais. Ah, je rame. Je vais pas vite. C'est moi qui ai la balle. Ok. C'est mieux NBA Jam quand t'as un gardien. Ok, j'ai fait une passe au gardien, moi j'ai tiré comme un bourrin. Oh, joli. Le puck, il appelle ça. Si d'ailleurs je vais voir les Canadiens jouer. Je vais voir les Canadiens jouer, Canadiens de Montréal jouer lundi soir. J'ai dit quoi, la balle? J'ai dit la balle? La rondelle, sinon j'appelle ça ici. Ça, c'était une jolie tourette. Hop, ils égalisent. Ouh, cette gueule. Waouh! Oh. Ah, mince. Chope. Ah shit. Bon, je serai encore plus près. Mais c'est pas grave, ça, c'est un jeu sur lequel je peux passer complètement à côté. Over to Bondra. 10 seconds. It's in the net. He's eating.
C'est une humiliation, 5-1. Bon, il y a rien là. Dernier du passoir. Ok. Mais tu vois, je connaissais pas du tout ce jeu. Ils ont des bonnes tronches quand même. Autant cœur vert là. Il a, ça va. Autant les autres. Dans une meuf. Autant cœur ça va. Autant les deux méchants là. Bon mulet. Allez, on va tester un peu autre chose. Bon, ça c'est de la Neo Geo, c'est connu. Twist to Jizz. Voilà, ça c'est vieux ça. Three Wonders. Un petit run and gun. Capcom. On va tester. Qu'est-ce que j'adore, c'est ces écrans de chargement. Ok, il y a trois jeux. Ok, il y a trois jeux. Midnight Wonders. Ok, je tiens trop. C'est plutôt joli, hein. Autour de du CPS 1, je dirais. La musique. Hop. Ouais. Oui, go, je sais. Aïe. Ah ok, ils ont repris le système de Golden Ghost où tu commences à poil. Faut clairement les Golden Ghost en plus dans le gameplay quoi. Aïe. Yes. Wow. Golem de bois. Et il a changé le méchant de Kirby. Il vise. L'enfoiré, il vise. La super attaque. Comment je me mets? Ok, elle a buté.
Premier boss. Oula. Plus de mal l'émulation là. C'est compliqué quand tu vas ton. Quand tu vas pas ton gars. Hein. Avec des couteaux, c'est quoi dans ces boomerangs? Que d'aller arriver là derrière la personne? Fantôme ou un mouchoir avec moi. Ah. Bon, c'est un peu autre chose. C'est pas mal, mais malheureusement, l'émulation est pas non plus la meilleure du monde. Alors, on n'a pas testé les autres jeux. On va tester vite fait quand même les autres jeux. Il faudrait voir si quand tu finis le game over, ça revient au menu principal. Select your favorite game. Ok, je pense. Alors, nous on a testé celui-là, on va tester Chariot. Ok, on a un shoot'em up. Alors pareil, on a même souci, un peu du mal sur certains moments à voir son sprite. Les musiques sont cool. De pas voir son perso. Ouais. On va voir le troisième jeu. Mais ouais, joli boulot sur le sur les scanlines et tout, c'est assez cool. Enfin, le rendu est vraiment bien. Attends, on va faire un petit tweet. Tweet, hein. Vu que... Hop.
petit retweet. Attends, vous avez vu ça, il y a Jeff Panaclop qui sort un film. Alors. Ok. Donc on va tester le troisième jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Récupère tous les fruits. Récupérer tous les fruits. Ok. Hop, je suis mort. C'est pas du tout mon truc. On va passer sur autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est très vieux? Ça, c'est pas mal, ça, c'est... Attends... Steppy Brain, oh, c'est du Jaleco, ouais. Ça, c'est pas super beau, mais alors, moi qui suis très fan de Beat'em Up, c'est plutôt cool. On va plutôt aller voir sur le truc. Il y a du Beatmania. Ah, mais ça va être injouable, ça. Ne serait-ce que se lancer, mais si j'ai pas l'accessoire, je vais pas pouvoir y jouer. Et voilà. Lui, on va le virer. Petit jeu de skate, Mahjong. Course. Ça va pas se lancer non plus. On va tester, mais il va pas se lancer non plus. Ouais, voilà. Voilà, l'American football. Ça se lance, ça? Ass Driver. Ça se lance. Du Namco. Alors. Ouh, ça se lance pas super bien, ça. Ouais, après le Beatmania, c'est pas très grave. Hein. Ça tourne pas très bien, ça. Et il veut même pas accepter les boutons. Alors, du shoot, du hack treasure en arcade. Je ne sais pas. Oh Capcom Land, c'est quoi ces... Ok, c'est des quiz, ça. Aero Fighter, ça c'est connu. Aggressor of Dark Combat. Ça, c'est pas un jeu qu'on connaît trop, hein. Aggressor ADK. Alors... C'est quand même, les sprites sont quand même super gros. On va prendre le beau gosse là.
Ah, attention, tu m'as regardé. Ok, c'est, alors ça... C'est un jeu de baston, mais tu peux te déplacer de haut en bas aussi. C'est pas mal. Oula, oula. Oh. Et ok, on peut prendre... On peut prendre des trucs, je pense. Enfin, je trouve comment les récupérer. Je peux aller crazy. Ah ouais, ça. Ah non, ouais, j'ai pas le temps de frapper avec. Je suis en train de me faire poutrer. Aïe aïe. C'est à dire sur ma soeur, toi. Ah oui, 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 ok, c'était vraiment le moment de se recoiffer. Merci, j'ai vu. You lose. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ça change un peu du jeu de baston de base. Attends, on va lui. On va lui remettre un coup. On va tester un autre perso. Ah, bah, c'est lui, c'est le de. Connais lui. On va prendre plutôt le. On va prendre lui. Ok. Alors par contre ils ont pas déconné sur la difficulté, ils ont dit directement on va t'expliquer la vie. Tu vas mourir. Tu vas nous lâcher quelques petites pièces. Mais c'est coloré, c'est plutôt sympa. Il me fait manger mon son genou là. Oh là, et en plus il griffe. Ah, il m'a démonté. Ah, il m'a bien poutré la gueule. Bon, on va tester autre chose. Air attaque. Ah mais du coup j'ai effacé pas mal de jeux cave qui se lançaient pas. Faudrait que je les remette. Ça c'est pas notre truc. Air duel. Du shoot. Air galé. En presto. Air inferno. Air wolf. Ah là là, air wolf. Air jack. Aladdin en version arcade. Alex Kidd. Plutôt tester des trucs un peu inconnus. Alien, ça on connaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Alligator Hunt par Galco. Ok, là t'as le debug mode. Galco. Je connais pas ce truc. En tout cas... Belle intro. Y'a que ça? Ah. Ah ouais, mais c'est classe comme intro. Ok, tu joues deux Bart Simpson.
Alors, on va tester. Est-ce que c'est jouable? Ouais, c'est jouable. Ok, c'est un jeu de choses. Un peu à l'opération Wolf. Il est pas méchant? Comment ça se passe? Et où les méchants? Ok. Ah, c'est dommage. C'est dommage, ça a l'air cool. Bah... Non, regarde, je peux pas aller là. Je me déplace que de gauche à droite. On va essayer de sortir du jeu, de le relancer. Sorti en 94. Parce qu'il est censé y avoir un peu plus d'action, quoi. Ben non. Moi qui vais, je sais pas si je peux être cool. Bah non. Non, rien qui se passe. Y'a rien qui se passe. Bah c'est dommage. Celui-là, si je lance via un autre truc. Je fais ça et que... Alors attends. Modifier. Librito même 2003. On va essayer de lancer via celui-là. Ok. Alors attends. Alors, est-ce que je vais avoir plus de chance avec... Ah! Hop. Là, c'est avec Adam's Mame. Dommage. Non, bah écoute, celui-là se lance pas. Ok.
Ah, ce jeu, je l'adorais. Celui-là doit être injouable hors borne, mais celui-là, j'adorais y jouer en borne avec les skis et tout. Altered Beast, ça on connaît. Embûche, c'est quand tu te penches. Androduno, ça on connaît bien aussi. Angel Kid, c'est quoi ça? Wow. Alors, on va tester. C'est un jeu où tu t'en rends l'air, semblerait. Comment ça marche? Pas bien, apparemment. Le son est super bas. C'est pas ouf. Art of Fighting, ça on connaît. On va mettre un peu de musique. Qu'est-ce qu'on pensait? On va laisser un peu la musique en fond. Ok, Aqua Rush. Ah, Rayman Knight, ça on connaît, c'est assez classique. Arc Revol. Ça, j'avais toujours... Je l'ai jamais lancé. J'avais toujours trouvé la pochette ultra cool, parce que je crois qu'il est sorti sur Mega Drive aussi. Et... Je l'ai jamais lancé. Ok, on choisit son personnage. On va prendre le punk là. Bon, je peux comprendre pourquoi il s'est fait. Fait par une vieille gem, qui est beaucoup moins beau, bah, il pleut aussi. Ça marche pas, hein. Et il court beaucoup plus vite que moi. Ok. Qui en égalise. J'ai l'impression d'avoir un jeu Amstrad. Ah, ça va, ok, les mecs qui rentrent de 3 points comme ça direct. Oh sérieux? Il était là-haut. Eux c'est pas Fanger hein, quand il marque, pas moi j'ai l'entraîneur qui fait la gueule. Allez Jean-Michel. Allez, frappe-le là! Oh là là! Oh
Ouais, lui tire sa main en direct. Ils m'ont au moins laissé l'illusion les 3 premières minutes. Ok, y'a même plus personne. Y'a un. Ok. Oh mais sérieusement. Ah voilà. I am running out. Ah putain. End of the period. More to come. Je joue, il y a 2 frames d'animation. Bon. Area 51. Pas les roues, ça. Hein. Alors. Salut. Salut, bienvenue. Alors, est-ce que ça va tourner? Salut, bienvenue. J'espère que ça va bien. Installe-toi. Ouais, celui-là il tourne pas. On va voir si on arrive à le lancer avec un autre BIOS. Alors hop. Comment ça va? Alors, on se fait du jeu d'arcade en vrac, au pif, et on arrive à voir un peu ce qui mérite de rester dans la liste. Et celui-là, il a pas l'air de vouloir se lancer de toute manière. Alors, merde. Eh oui, fan de la bande à Picsou ici. Celui-là, il a dit non, je crois. Hop, Advance Mame. Alors, par hasard, tu saurais où installer les ROM CPS? Bah ouais, dans le... Ah, si ça marche pas bien dans FB Neo, mets-les dans MAME. Alors... Ultime tentative pour ce ROM-là. Non, lui, Area... T1... Bye bye. En plus, je l'ai 14 fois. Attends, est-ce que celui-là veut mieux? Eh ouais. C'est triste, mais... On va dire pareil. Le Raspberry... Là, je suis sur Raspberry Pi 4. Et bon, bah écoute, ça marche pas avec tout, hein. Et on va aller fouiller dans les méandres de l'arcade pour trouver des trucs étranges et bizarres, genre. Et si on faisait du cheval? Parce que c'est super bien le cheval. Et il y a du budget. C'est gentil en tout cas. Alors, on met quelques crédits. Et on va voir. Ok. Ok, faut parier. Oh là, les mecs. Tu mets de l'argent réel pour pas faire des paris virtuels.
Est-ce que je fais quelque chose là? Je vais faire une tour, hein. C'est juste un jeu de pari? C'est chaud. Salut papy, comment ça va? Mais c'est juste mettre des sous? C'est chaud. Oh, c'est super chaud. Bon, on va tester autre chose. Là, au niveau jeu, c'est pas grand intérêt. On va mettre Formation, non. Batrider, ouais, c'est connu. On peut se le lancer pour se faire un stage. Ouais, ils sont à fond dans les paris pics, mais j'ai d'ailleurs le full set Derby Stallion sur Super NES, donc j'ai Derby Stallion 1, 2 et 3. Parce qu'ils étaient genre à 100 yens pièce, je les avais pris. Mais ouais, ils sont très très paris épiques. Surtout quand ils se rassent pas épiques. Mais ça c'est un bon jeu ça. Ouais. Hop là. T'aimes bien les jeux de paris? Bah là-dessus c'est dommage parce que t'as pas de... Enfin sur celui-là t'avais pas de gameplay, c'est bien si tu peux parier, puis en plus tu t'appuies sur 2-3 boutons, ça peut être cool quoi, plutôt que juste mettre du vrai pognon pour dire « Ah j'ai gagné !» et perdu de l'argent. Ah bah Trailer ça c'est... Par contre ça c'est plutôt cool. Ça. Alors lui. Donc on joue pas en tâté, on reste en Yoko quand même, mais là on reste quand même sur quelque chose de très très beau, bon, très chargé. Ouais, on le voit, hein, je suis déjà mort. Merci. Merci l'émulation. Hein. Ça pète dans tous les sens. Je sais même plus où je suis, je vois pas les lasers ennemis. Voilà, bah, s'il va hésiter sur moi. Ah ouais, non, mais écoute, c'est dans la dentelle là. Je me dis, c'est avec moi les flics, non? C'est con parce que je suis pas bon à ce genre de jeu, mais j'adore ça. Oui, please continue. Ah oui, quand même. Ça peut être le monde dans la gueule. Ouh. Et le mec était garé là. Oh, j'étais garé juste là. J'avais rien demandé, pourtant j'avais payé le parking. Ça c'est quand même assez jouissif de vraiment de tout péter le boulot qu'il y a eu sur les sur tous les sprites. Alors. Fais-moi la paix. Alors, salut Hassan, comment tu vas? Essaye de ne pas avaler ta langue en arrivant. Ça brille dans tous les sens. Alors. Mais c'est gentil de passer, comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes de vous? Qu'est-ce que tu fais de ton beau week-end? Même s'il est presque terminé pour vous en France. Hop là. Et oui, ça continue, moi je mangerai le chat. J'ai pas les yeux partout. Voilà, attends, regarde ça, on a un coup de signe à la gueule. Voilà. Pas mal. Je suis au Québec. Hop là.
Hop là, oulaï. Petite chirurgie au laser. Ça c'était une attaque kamikaze. Ah, tu connais. J'ose même pas imaginer le pognon qu'ils ont dû claquer dans cette borne. Tu dois connaître un petit peu, j'imagine. Un petit peu. Ah bah oui. Oui, oui, oui. T'as pas le droit à boire. Hein. Alors je le dirai jamais assez, mais ouais, le filtre qu'on peut tuer Calvox sur cette version 9.1 là, pour le côté CRT, ouh putain, très très beau. Oui, Québec sur Garonne. Tu me diras, il y a bien une ville, il y a bien un Montréal en Dordogne. J'imagine la ville de Palestine, le Texas, qui a dû se chier dessus après le 11 septembre. Donc ils ont dû se dire, putain, les Américains ils connaissent pas leur géographie, c'est nous qui vont bombarder. non, j'ai l'air souhait. Ouais, bon. Et est-ce que le salon du livre était bien? Si tout le monde se pose. Attends, là, un peu de ménage là. C'est pas fabricole leur truc, leur super attaque. Je me suis dit que j'allais sortir la scie sauteuse. Oula, ça s'énerve. Tu vas crever, oui. Oui, je vais crever, oui. Ok, double KO. Et t'es parti avec une belle dédicace d'auteur de BD. Et de quel BD, dis-moi? D'ailleurs, je testais un autre jeu. Donc ça, c'était Batrider, ça c'est très très bon. Armora, ouf, ça c'est vieux. Armored Warrior, je sais pas si vous connaissez, mais ça c'est excellent. En plus c'est jouable jusqu'à 3. Ça c'est vraiment très très bien. Je l'ai terminé d'ailleurs, je l'ai terminé sur la borne. Je croyais 15 jours, entre ça j'avais envie de me le faire. Du grand Capcom de CPS1. Bah tu vois, regarde, ça c'est du CPS1 et c'est sur Mame. Of Fighting 2, bon bah. Path of the Warrior. Ça c'est un jeu que je connais pas bien. Ah c'est du ok non c'est du Art of Fighting. Shusha Blast. Assa ou Asso. L'Astérix d'arcade classique. Ça c'est aussi dispo sur. Ça c'est un jeu qui est sorti sur Saturn également. C'est assez bizarre parce que c'est du jeu de baston en aérien. Et attends, on va le lancer pour un peu. Voir s'il tourne bien, parce que le jeu Saturn au niveau de l'émulation, c'est pas non plus la panacée. Hop, attends, on va laisser le petit Lurk chez Jonah. Oh bah oui, en effet, c'est une belle dédicace. Bah alors, tu te lances pas? Bon, il se lance pas.
Est-ce que... On va essayer de le relancer. Après les jeux Saturn en émulation pour l'instant c'est pas ouf. Hein. Ah. Ouais bon c'est pas la taille qu'ils font non plus. C'est pas non plus, ça doit te faire les 800 mégas. Et encore. Les jeux CPS3 devraient être un peu plus gourmands, mais il y en a 8. Non, il va pas plus loin le jeu. Est-ce que si je le lance avec... Même 2010. Parce que sinon on va lui dire hasta la vista. PS3 avec Medias, tu scrap rigolos. Tu lances un scrap. Alors même 2010. À moins qu'il faille attendre plus longtemps. Vous pourriez mettre un truc à l'écran s'il faut attendre plus longtemps. Faut attendre que ça se lance. Non hein. Pas l'air de vouloir. Voilà. 2015. OK. Mais jusque là, ça on y arrive. Il attend plus seconde, mais c'est combien plus seconde? Ouais, c'est les jeux cave, ouais. J'en ai quelques-uns et c'est bon, on va passer dessus après là. C'est des beautés. Bon, on verra ça plus tard. Blaster, on va éviter les vieux tromblons quand même. Hein. Alors, et si je fais, on va s'en faire deux ou trois là, les jeux cave. On va trier les jeux par développeur. On est à Fuki, Face, Elixir. Si on regarde ça, c'est bon ça, bien joué. Voilà, ça c'est du cave. Alors s'il se lance. Ça tournait pas sur Pi3 à la base. Qui se trouve la résolution. Ok. Les scanlets sont plutôt bien faits.
Ouais. Non, c'est bon, je l'ai... Bah, en fait, je le laisse ouvert du coup à côté avec la désactivation, je l'ai relancé. Oh, vous êtes prêts? C'est Dance Machine le truc. Allez! Tout le monde chez vous! La plus grande discothèque du monde. La rentre, c'est de toute beauté, quoi. Yes. Ça, quand je voyais tourner ça quand j'étais petit, mais alors, mais j'étais fou. Oh, petit. J'étais ado, quoi. Mais même pas on espérait avoir ça sur notre console, quoi. J'aime bien comme les micros tellement énervés. C'était même pas un boss. Je me suis dit que j'aime bien défoncer les petits gars à poil là. Avec les gros vaisseaux, tu sais. Ah, voilà, c'est bon, j'ai eu. Aïe. En fait, il faut pas regarder où tu tires, il faut surtout regarder où tu te positionnes. Putain. Je vais mourir. Oui, please continue. Je veux mon MP là. Même si il va pas du tout avec le jeu. Et tu veux pas crever, oui? Non mais pas moi, lui. Ok, premier stage. Allez, ciao. Ciao, bonsoir. Le mec, la musique est tombée. Les gars, je suis tombé sur un CD techno. C'était trop bien. On va mettre ça dans le jeu. On va être de la machina. Ça va être trop cool. Je suis tellement admiratif devant les mecs qui font des jeux complètement comme ça avec un ou deux continus, pas plus quoi. Moi je pense que j'aurais déjà claqué mon PEL.
Allez, de la monnaie, là, du pognon, du flouze. C'est le genre de jeu que je kiffe faire sur la borne. T'as l'écran plein dans la gueule là. Mais alors, les gars, j'y vois plus rien, moi je sais plus où je tire. Hein. J'ai méchamment d'input lag. Ok. Et j'accuse pas la manette, hein. Voilà. Changer un peu, voir un peu ce qu'il y a sur notre jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hellstone. C'est chelou. Ah, ce qui m'a remis en... Attends, ça va se remettre en... Hop. Ah, oh, c'est bon, il m'a remis en... Je vais remonter un peu. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? BC Story. Ou c'est des gros sprites en tout cas. Ok, c'est du minigame. Beera Boy. Oh là là, c'est pas bon ça, je crois. Eh ben on va le lancer. On va le lancer, ça a l'air pas ouf. On dirait ce jeu sur Mega Drive là où t'es en roller et qui est Today, the big show. Qui est pas bien vie. Going to the fame, headline game. Oh putain. Hey, spider! Come on, give a round! I'm so big! Come on, come on! Des petits problèmes de son. Oh la violence! La violence. Vas-y, va péter des gueules en vélo. Alors par contre allez, espèce de claquement dans les oreilles là, c'est pas ouf. Je me suis pris un clavier dans la gueule. Ok, je peux descendre de vélo. Et je suis en roller. C'est vraiment pour les sports extrêmes. C'est juste la violence. Il y a rien qui s'arrête. La violence complètement gratuite. Ah, ça c'était horrible ce son. Backstreet Soccer. Backfire, Bad Dude, ça c'est connu. Badland, c'est du QTE.
Balloon. Ok, ça c'est genre du Windjammer. Attends, on va tester. J'ai pas vu qu'ils faisaient ça. SNK, ok, développeur Visco. Ouais, en général, c'est plutôt gage de qualité. Ok, move the player with the joystick, c'est jusque là. Il n'y a qu'un bouton. Ok. Alors. Oh la gueule des persos. T'as à prendre Jean-Michel Bogos. Petit six pack. C'est le cowboy de Saint-Tite, on va appeler. Ah. Yeah. C'est un intérêt plutôt limité, mais c'est pas déconnant. Ah, je vais perdre. Ouais, j'ai perdu. Merci. You lost. You lose. Bon, en deuxième round. Ok. Putain. Ah! Je suis en train de me faire poutrer. Ok. Sans filer. En deux mots. Allez. Alors... Barnacle 3 en arcade. Est-ce que... Ouais, c'est des bootlegs, ouais, c'est ce que je me disais. Barrière... Qu'est-ce que c'est, barrière? Ce jeu est très basique, en effet. Semi-com. Ok, du shoot. On va peut-être pas faire que du shoot quand même aujourd'hui. Baseball Star, bon ça c'est connu. Ça c'est pas bon du tout. Oh là là, mais alors celui-là, il faut que je lance. Celui-là, il va tellement pas ce jeu. Il y a beaucoup trop de drogue dans ce jeu. Ah, attends, c'est un jeu Saturn, est-ce qu'il va se lancer? Ouais. J'ai l'impression que je joue Saturne. Ils veulent pas. Tant mieux, hein, mais. Tant mieux, mais. Non, hein, ça veut pas. Hein. Mais alors, ce jeu-là, mais au niveau de la drogue. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ce jeu. Batsugan. On a dit qu'on faisait pas que du... Ouh là, c'est pas beau ça. Ouh, c'est pas beau ça. Du Battle Arena Toshiden. C'était édité... Ok, c'était édité par Capcom Toshiden. On va voir s'il se lance. Un peu de 3D. Ouais.
ce qu'il me fait avec, avec le Capcom, donc j'ai l'impression que... Alors, on va retester comme l'autre. Toujours rouge. Oula. Attrape. Il y a du mal. Le boîtier a du mal. Là, j'ai mis trop de changements de résolution dans la gueule, je pense. On va le... Ok. Débranchement, rebranchement. Bon, allez, c'est un truc un peu plus cool. Battle Circuit, c'est connu. Battle Cross. Flip Shot. Ah, attends, on va se... Parce que mine de rien, il est 25. Il nous reste une demi-heure de jeu ensemble. On va essayer de se trouver des jeux un peu nazes. Beyrouth. Sérieusement? Sérieusement les gars, Beyrouth. Beyrouth, sérieusement. À ce moment-là, Jean-François à Beyrouth. On a dit qu'on arrêtait un peu les shoots. Ok, ça c'est un jeu de tir. Beastorizer. Qui c'est qui a, renommé Blood Error Beastorizer? Je veux des noms. Je veux des noms là, c'est pas normal. Allez, Beatmania, ça s'en fout. Alors j'ai tous les Beatmania. Mais ils marchent pas. Bermuda Triangle, ok. Ouf. Jeu de boxe. Big Cana à Karnak, ok. Des jeux cochons. Ouais, jeu de billard. Ouais, on a dit qu'on a raté le shoot. Ah, faudrait que je voie si ça marche, parce que alors, ça c'est... Ah, ça a l'air nul ça. Même la capture d'écran, elle veut pas quoi. Oh, ça renule ça. Qui c'est qui fait ça? Midway, on va dire. Ça c'est quoi ça? Bishibashi, ah oui, Bishibashi, ouais, ça sur Saturn ça aussi. Black Panther, ok. Tellement de trucs complètement inconnus. Alors, ça va pas un petit beat'em up, un truc comme ça? C'est Pouilleux. Ah non, c'est pas Pouilleux ça. Oui, ça va. Merci, trop cool. Bloodstorm. Oula, ça a l'air nul ça, on va le lancer. Ah, ok. En plus, il faut deux coins, deux pièces pour y jouer. Allez, je veux bien. Oui, je veux bien. Ouh, il y a de la violence. Attention les enfants, cachez vos yeux.
Ok. Le mec qui va appeler comme le gaz du frigidaire. Mirage. Oh là là, ça a pas l'air bon tout ça. Je me frotte les mains, Tempeste. Allez. Engage. Ça, les mecs, ça, c'est les mecs qui ont vu que Mortal Kombat ça marchait. Pour jouer. Ah, allez, on va changer de passage. Alors, on prend le fric. Engage. J'ai jeté un froid. Pas sur play 1, mais en arcade. Sur play 1, il fonctionne. J'ai perdu mon bras. Il m'a décapité. Le stage a changé. Je crois que c'est obligatoire, hein, j'ai l'impression. Pourquoi? Ok, après toutes ces violences, on va changer un peu de jeu. Ok, Bloodstorm. Alors, à la suite du... Ok, on est sur du FMV en jeu, là. Alors, attends, j'ai Alpha 0, 0, 2, Alpha, Alpha Your Dream, 0, 3, Upper Arcade. Bah, c'est EX, EX plus Alpha, EX 2, je crois. Attends, on va les voir, après je vais te montrer les noms. Je vais descendre à S avant de pas avant d'arrêter là. Je lance celui-là parce qu'il a l'air moche. Ok, il veut même pas m'afficher les persos. Oui, le jeu. Ah, il se lance, hein. Bon.
avec Jean-Michel Ninja, une grosse étoile dans le dos. Non, ça, ça... Il tourne quoi. Les menus sont buggés, mais... Putain, le sang. C'est le mec qui découvre. C'est... Ça bouge dans tous les sens. Et c'est moi qui fais des flammes là. Pourquoi c'est moi qui me prends la gueule? Tiens, vas-y, allume mon briquet. Est-ce que t'en fais pas trop au niveau du bruit? Voilà. Prêt à me battre. Ninja. Heureusement que c'est pas un boulanger, ça fait boulanger. Alors, oh merde le costume. Le mec devait être dégoûté. Ah, ça a pas du tout les graphismes. Ils s'en payent les gros là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout les gars. Hop. Bien. Yeah. Vas-y, apprends à voler. Ça va l'hémorragie ou comment ça se passe? Ok, ok, là ils se sont dit aussi. Ah oh, mais c'est nul. Ah quelle horreur. Alors sort de ça. Donc on était à B. Ouais les jeux que je voulais lancer que j'arrive pas à lancer, donc c'est les Street. Hop. Ok. Alors. Voilà. Donc c'est IX plus IX2. Déjà ça si cela il veut pas se lancer. Oh, allez, oh la pochette de IX+. Alors attends, remonter à B. Quelle heure il est? 37, ça va. On était à Blood, c'était pas mal là. On a fait du bon caca là. Ah mon scrapping est pas mal quand même. Ouais t'es là. Blood Warrior, ok. Ouais. Si on trouve un truc un peu. Bitmania encore.
Il faut que je leur lâche un petit Patreon là. À Recalbox. Avec le truc de la voiture que j'ai eu là, c'était pas le bon moment. C'est bien animé ça. C'est pas assez nul pour là pour à lancer. Ouais, ça me fait quand même 10$ quoi. Burning Fight. Ah, studio SNK, c'est que ça devrait être bien. Burning Rival, Sega. Putain, je connais pas du tout ce jeu. On va lancer. Ok, déjà celui-là se lance, 92. Pas vilain. Arnold. Karaté Arnold. C'est pas vilain. C'est pas ouf à jouer. J'ai pas touché au montage encore ça. Je voulais, mais là j'irai m'occuper de mon meuble à disquer là tout à l'heure et puis ça ira bien. Alors c'est pas ouf à jouer. Les stages sont trop grands. C'est assez lent, par contre l'animation est pas dégueu. Je suis presque mort. Je comprends pourquoi j'en avais jamais entendu parler avant. Ah, j'ai perdu. Des flammes. Ok. Gladiakidosaur, grand classique, Airblade, California Speed. La branlée en du grand classique, Captain Commando. Mais est-ce qu'ils se lancent du coup les streets ou est-ce qu'ils sont en train de télécharger? C'est très quand même très très vieux. Je vais lancer un jeu que j'aime beaucoup. Enfin que j'aime beaucoup, ouais que j'aime bien. C'est dans la veine de NBA Jam parce que c'est avec des persos, c'est un jeu de catch sur la WWF. Wayne Gretzky 3D, ok, je l'avais sur 64 celui-là. Oula. Je te fais un peu de pub, mais c'est pour pas que tu oublies de venir me voir mercredi ciné club. Ah tu te fais. Non, t'inquiète. T'inquiète. En tout cas, ce week-end, moi j'aimais pas en carré, donc ça sera un peu plus compliqué pour être là. Au pire, je te laisserai le lurk. Oh, t'inquiète pas, si. Oula, c'est l'air cool, ça. Putain, on va lancer ça. Pas du tout. Voilà. Winner, don't choose drugs. Ça, c'est tellement bon, ça.
Data East. Dans l'année 355 AD, après Christ, avant Christ, dans l'Empire de Gaulle, 4 valeureux héros ont émergé. Ok, ils ont fait un scénario et tout. Il a cinématique et tout. Ok. Bard, wizard, ok, le nain, l'elfe, on va prendre le chevalier. Qui parle dans une église. Ah, les digits sont pas ouf. Et je faisais caca. Ok. C'est vénère. La musique elle est vénère. Ok. Ok, ok. Ok, le boss est direct. Ok, je suis devenu un... je sais pas. Ok, je suis mort. Ah, c'est énorme. Ça va changer un peu. Prendre le barde. Alors le barde ne tire que dans une seule direction, ok. De bébé qui pleure le dragon. Je suis presque mort. Ok. La musique est beaucoup trop vénère pour moi. Alors, on va tester l'elfe. Non, non, je récupère la cloche. We must stop him. Let's continue. We will make him pay. Ok, deuxième message. Alors je préfère le guerrier parce que du coup le guerrier tire un peu dans tous les sens directement avec son attaque. Mais bon, c'est rigolo comme le truc, mais c'est pas du tout. Eh oh, Goro l'a déjà calmé. Michael Jackson dans Zombie là. Ah, ça, sérieux, je me fais attaquer par une libellule.
cas, tu viens de me roter à la gueule. Vous allez vous calmer, il est nul là. Et il est nul, il crache du feu, sérieusement. C'est quoi, c'est un curé ça? Ok. Alors, on va tester là. Ok. Et les mieux que tu veux te calmer tout de suite. Bon, attention, il est brouillard. Ok, les gars, les méduses, faut pas déconner. Est-ce que je me suis vraiment fait attaquer par des buissons là? Il y a tout qui m'en veut là. J'espère que tu entends ça disparaître, en plus c'est... Alors hop, alors, on va prendre le chevalier, non, c'est pas mal. Du côté... Oh non, c'est un arbre, l'arbre mojo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'envoie des glands en plus. Il y a que lui qui s'en sort du coup. Je suis un nuage, attention. Ils sont super vénères. Ria. Ok, j'ai été buté par trois chauves-souris. Bon, on va arrêter ça un peu. Wizard Fire. On se le note. Et je disais donc que je voulais lancer... Qu'est-ce que c'est ça? World Cup Volleyball 95, ok. Celui-là. Ça forcément vous allez voir la vague NBA Jam, Mortal Kombat. Ah, on va prendre. Ça me rendait fou quand j'étais petit, c'est tellement beau. Et voilà, donc on a un jeu de catch. Et c'est quand même assez jouable quoi. Bon, je suis en train de faire poutrer. Je me suis clairement fait humilier. Allez, par contre, le mec se faisait même pas chier, il gardait les mêmes interfaces. Les mêmes interfaces quoi. Ouais. Aïe. Beaucoup plus mal que moi. Je suis fait humilier.
Ah, Yokozuna. Il est mort il y a un petit moment, lui. Musique bien rétro. Tiens, vas-y, prends ça. Et ils avaient réussi à... Ils avaient réussi à bien capter le truc, quoi. Tiens, voilà. Mais il a gardé les mêmes sons d'un jeu sur l'autre et tout, quoi. Tiens. Voilà. Ouh, perfect. Bon, j'aurais pas gagné avec les personnages les plus charismatiques du monde, mais... Ah bah oui, bêtement non, oui. Attends. Allez, viens. Bam Bam Bigelow. T'as vu, ils sont pêchés quand même, hein, ils ont fait un... Si j'arrive à prêter tout le monde avec Kuzuna, c'est que le jeu est tellement mal équilibré. Alors ça. Oula. Ah. Ah. Bien joué. Oula. Ouais. Là, en fait, il s'énerve. Allez, moi aussi. Ça c'est plutôt agréable à jouer, quoi. Hey. Même avec les commentateurs qui s'énervent et tout, c'est plutôt bien foutu, quoi. Non. J'y étais. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ok. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, voilà. On s'arrête là. Attends, je vais quitter le jeu. Ok. Bon, j'ai pas besoin, voilà. J'espère que c'était plutôt chouette. Semaine prochaine, donc il y aura très certainement pas de live, éventuellement dimanche, mais c'est pas garanti que mes parents soient là, donc priorité à ce que avoir mes parents. Mais la semaine d'après, on reviendra sur vendredi et dimanche, et après il y aura encore un break, et après on reprendra normal jusqu'à décembre, je pense, un truc comme ça, ou sauf exception. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. On va lancer un petit raid chez... je vois que Jota-san est en live, donc on va aller chez Jonah. Puis voilà, c'est comme ça. Moi je vais manger, je vais préparer à faire mes travaux. On va activer le petit raid. Quick. Et comme ça, bah écoutez, amusez-vous bien. Attends, il faut que je trouve dans quel dossier mettre les ROM si ça marche pas pour Street, je te dis. Oui, t'inquiète pas, mais alors, moi je crois que j'avais laissé sous MAME. Donc ou même ça marchait pas trop mal. En tout cas, bah écoutez, merci pour les nouveaux venus, et puis merci pour ceux qui sont là, ça me fait toujours plaisir, c'est toujours cool de vous avoir avec moi, et puis amusez-vous bien, passez une bonne fin de dimanche,
Bon téléchargement à toi, moi je vais lancer les téléchargements, mais avec la fin d'Optobox c'est un peu plus compliqué. Donc on va laisser le compte à rebours se terminer et ça va lancer. Ils ont mis ça. FBNEO ça veut pas. Moi je pense que MAME est plus. Pour ce genre de jeu, MAME est plus, plus même de fonctionner. Plus à MAME de fonctionner. Donc tiens, je me fatigue moi-même. Voilà, donc déjà ça qui est sur Spider-Man. Voilà, amusez-vous bien et puis je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée pour ceux qui sont en France et puis une bonne journée, un bon après-midi pour ceux qui sont au Québec. Voilà, amusez-vous bien, je vous fais des gros bisous. Ciao. Hop. Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap ou alors de la marche, de la bicyclette, ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs, je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture, je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action, ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais? Pourquoi est-ce que tu te droguerais?